jours, en comité restreint aujourd'hui, puisque puisque aujourd'hui nous ça fait une petite friture de guêpes, ouais, une petite friture de guêpes. Alors, mieux connaître que c'est pas la saison des guêpes, mais bon, la trouve un petit peu de guêpes par là, depuis un bout de temps, t'es congelé. Donc, du coup, Toto fait une petite friture de guêpes, et puis après, un coq au vermouth. Ouais, coq au vermouth. Pas une très grosse émission, puisqu'on est très très réduit aujourd'hui, que Toto, Malo, moi-même, Julie qui va nous rejoindre tout à l'heure, on a un couple d'amis qui seront là aussi, puis après on reçoit ce midi une députée, la députée européenne de la Guadeloupe, Maxette Pierre-Bacas, qui est à La Réunion, de passage à Réunion, donc elle va venir manger avec nous aussi ce midi, et puis après on va discuter un petit peu sur son nouveau parti qu'il va mettre en place, bref, un petit peu de politique aussi, comme d'habitude chez nous aussi sur Canal Austral. Allez, à tout à l'heure. Bon, ça va là? Ça va bien? Toujours. Hein, où l'a une tenue? Ouais. Bon, pas Jean-Claude Poadin aujourd'hui? Eh ben, bah, où la gaspille tout tablier là-bas, non. Madagascar? Tout d'un coup. Tout le colonne de valise. Mais là, ton père, il y a qui gouverne, elle est Poadin. De toute façon, Madagascar, là-bas, on t'appelle Samuel Poadin. Hein, c'est une badge. Voilà, bon, en tout cas, on s'est fait une petite cuisine pour nous aujourd'hui. Oh, une petite cuisine. Ben, une petite cuisine. Bon, comment ça petit coq au vermouth. Voilà, un petit coq au vermouth pour faire plaisir à notre député. Pas notre député à nous. Notre député européen. Notre député à nous, jamais Nizi. Ah, ben c'est. Ils n'appellent pas nous du tout. Nous obligés d'appeler les députés de l'autre côté. Maxette Pierre-Bacas, c'est un député de la Guadeloupe qui est de passage, trois jours ici à La Réunion. Je n'en ai beaucoup à faire, donc j'ai pas le temps avec nous. Non, je n'ai sûrement beaucoup à faire, c'est tout. Le temps, tu fais la zone. Tout ça, c'est des autres. Tout ça, c'est bon. La ville est comme ça. Ou la poids que ça, on a des guêpes aussi aujourd'hui. Une petite friture de guêpes. Hein? Même en hiver, nous mangeons guêpes, nous. Ah, nous connaissons la ronde, nous. Hein? Nous connaissons la ronde, ou? Nous connaissons la ronde, nous. Les bons, alors. Bon, ben, Mila, ça va, mais commence la cuisine avec où, là, alors, hein? Ouais. Là, où ça fait quoi, ou là? Ah, ça fait un petit peu le grain. Tu fais le grain tout de suite, au moins, il ne perd pas le temps. Ouais. Fais le grain, on va te réchauffer tout de suite dès qu'on arrive, hein? Ah, oui. Avec où, il ne perd pas le temps, hein? Ça. Ben. Et puis, il y a Malo, là, ce côté, là-bas, aussi. Comment ça va, Malo? Bonjour, Maman. Elle est là? Pas trop fatigué de retour d'une semaine pour le jeu des îles, là, non? Oh, en forme. La forêt est tapée. Oui, oui, elle tapé, hein. Mais sinon, c'est bien oui, se passé. Oui. C'est gaillard. Ouais. Même si la France, la Réunion, la gagne troisième, pas grave. Timanine comme Timanda. Tu veux ça? Ouais. Puis Madagascar devrait obligatoirement gagner, comme il reçoit. Il a fait l'effort de recevoir, donc il fallait absolument le gagner. Là-dessus, je n'ai pas fait trop fait de commentaires là-dessus parce qu'elle était flagrant, donc on n'est pas dit rien. Vous ne pouvez pas dire rien alors? Bon, mais les bons, alors, ok. Bon, bien. Mais oui. Profite, mais passe un petit big up pour Luco. Luco? Ludo. Il y a moi, Vieri, là, dis-moi, dis bon, donne son bonjour à tout le canal Austral, Calix, apparemment, son grand camarade. Mais non, on connaît ça. Les bons, alors, ok. Alors, okay. Où avez-vous que ça n'est là? Tu es là? Hein? Ben oui, mais ça fait un petit coq au vermouth. Coq au vermouth, voilà. Les bons, alors, ok. Bon, ça, il ne boit pas, c'est mettre rien que dans la canne, dans le carré, ça. Mais bon, et Toto, lui, il apprend des haricots blancs, mais pas n'importe, des mojettes de Vendée, hein? Toujours, il aime ça aux mojettes de Vendée, là. Hein. Aux saisonnalités, comme aux saisonnalités des grains ordinaires, hein, c'est-à-dire de sel, poivre, le thym, les oignons dedans. Le grain reste grain. Hein. L'ail aussi, un petit peu dedans, bien sûr. Hein. Voilà. Pas tomate, toi. Hein. Pas tomate. Mais bon, pas tomate. Pas safran aussi, non, parce qu'il faut qu'il reste blanc avec vous. Hein. Tu vois, ça, t'es beau haricot blanc. Ah, on va mettre safran dedans, pas bon. Faut mieux acheter les haricots jaunes tout de suite. Ouais. Couleur jaune. Hein. Bon. Alors, rajoute un petit peu de l'eau dans le bidon même, dans le boîte même, dans le bocal même. Ouais. Hein? Et après, voilà, il est parti, il a plus le grain. Bon, on a gagné pas autre chose un instant. On fait pas comme ça tout de suite, comme ça. Ouais. Mmh. Ça me s'apprête plus, ça, hein? Ouais. Pas trop habitué à faire ça comme ça. Ah, de faire les belles, les yeux. Ah, vous pouvez pas épices. Comme ce qui arrive. On aurait dû prendre un égouttoir aussi. Une cuillère avec des trous dedans. Ouais. Hein? Bon, la fois, on l'avait vite pas avant les grilles là. Mais ça, récupérer. Voilà. So. Mais bon, on fait revenir le poulet là alors. Le coq. Hein? Mais bon, ça, c'est quoi? Un coq de mort?
4 pattes. On a 4 pattes, c'est bon, on l'a vu. Alors, vous voyez comment carré créole après oui. Avec vermouth ou bien oui. Sinon oui. Le vermouth, on rajoute comment dedans? Ben, on va mettre de l'eau, on va mettre vermouth. Ouais, mais qu'on mette ça, on va mettre girofle dedans, ça? Non. Non, non. En créole normal, mais on rajoute oh. De l'eau, rajoute un peu de vermouth. Voilà. Ah, elle est bon, là. Ok, on regarde ça, là, ça. Vous voyez comme ça, moi aussi je peux mettre le bœuf le bœuf dedans. Ouais. Mais non, là, il avait mettre sa moussade encore dans les affaires noires dedans. Ouais. L'idéal c'est passer l'huile. Mais pas soi. Il ne veut pas être sale. Il connaît pas le poisson, la vie dedans. Ben, alors ça va d'agresser, ça va mettre deux feux dans le bois là-bas. Hein? Vous l'avez vu? Deux feux la prendre dans le bois là-bas. Ouais, ouais. Là ici aussi, il veut mettre deux feux. Bon, plus la bouteille de gaz à côté, fais attention. Tu poulet, vous faites là ouais. Tout est bon, hein. Ouais, ouais, il est bon. Ah, comme ça, le poulet danse dans la lambada. Hein, le poulet danse dans la lambada. Ben. Hein, d'accord, là. Bon, tout est prêt, là. Et non, même les guêpes, là, elle est là, hein. Bon. Allez, maintenant, on attaque le poulet au vermouth. Et on verra les guêpes plus tard. Et un petit rougail gratin aussi, ça fait, là, de moi, hein. Non. Un petit, rajoute l'oignon dedans. Mais à quoi tu as mis de faire de l'huile aujourd'hui? Le poêlon, la manche est haute. Ben, tu connais la manche au poêlon, il tourne. Ah, la manche, il tourne. Bon, bon. Ma vie. Donc, oignons dedans tout de suite, là, Toto. Hein. Ensuite, bien entendu, l'ail. L'ail et le gingembre, il y a l'ail tout seul. L'ail et le gingembre. L'ail et le gingembre dedans. Hein. Donc il ne change pas, c'est comme d'habitude. Je fais revenir le poulet, les oignons, l'ail, gingembre. Et là, un petit peu de poivre dedans. Ça ne donne pas de piment dedans. Hein. Là, voilà. Donc, poivre. C'est le poivre qui va donner le poulet ce goût un petit peu épicé et un petit peu pimenté. Là, piqué. Bien mélanger tout ça bien entendu parce que et généralement là quand on regarde un monde tourne qui arrive dans ma marmite comme ça là Toto, vous connaissez tout de suite si c'est un cuisinier ou pas un cuisinier hein? Ah, le bon cuisinier il y a le coup de main lui. Je sais pas mais même pas cuisinier dans ma main. Ah mais pas cuisinier ben. Donc là tout de suite tomate hein. Et donc, quand tu mets dans un poulet vermouth, tu ne mets pas ça. Hein? Mets pas. Voilà. De toute façon, le poulet est quand même assez jaune. Hein? Donc, il aura la couleur jaune. Hein? Ouais. Hein? Sa couleur sera un petit peu jaune aussi, de toute façon. Hein? Mais alors, que tu l'as préparé ou là? Tu veux de l'eau? Hein? Voilà, dès que tu mets le vermouth dedans, le poulet s'est cuire un petit peu. Hein? Parce que le coq est quand même assez dur. Un coq qui vient de chez Alagamas. Hein? Hein? Ah, les bons. On a dit merci aussi pour le petit rougail saucisse qu'elle donne à nous. Ah, ben oui. Ouais. C'est un plaisir. Ben oui, bien sûr. N'oubliez pas, nous avons l'émission pour faire couler. Hein. Ben oui, bien sûr. On a oublié un petit peu le thym. Hein? Ça, c'est le thym frais de la cour, ça. Hein? C'est pour ça qu'il est un peu vilain comme ça, parce qu'il pousse un petit peu dans tous les sens. Hein? Mais au moins, c'est du thym bio. Ma fille l'avait, Malo, hein? Elle est bon. Hein? Elle est bon. Hein? Cassez-les un petit peu dedans. Hein? Voilà, découpez-les un petit peu. De toute façon, après, on enlève quand ils mangent. Hein? Voilà. Moi comme ça elle est bon, bien. Mais 1 litre de vermouth dedans complètement comme ça. On fait quoi vermouth? C'est vermouth. C'est vermouth. Sois sous la noûte. 1 litre pour des coques. Hein? Alors, soit on fait un poulet vermouth, on a raison. Ou soit on fait un poulet vermouth avec de l'eau. Voilà. Ouais. Là, on fait cuire au vermouth, ouais. Complètement au vermouth. Voilà. Hein? Donc,
De l'eau l'amener là, là. On l'amène de l'eau. Bah, il sait pas. Il sait pas ça. Et là, on couvre l'île et on laisse aller cuit là. Il va évaporer là. Hein? Et donc, avec la vapeur, on va se rôtir là, le soir sous. Ah ben. Hein? C'est les sous que je vous parle. Coq au vermouth, voilà. Là, le vrai coq au vermouth. Un litre de vermouth noir les prades, hein? Ben oui, mais parce que le coq est tendre, c'est le coq que j'ai, faut mettre plus. Faut mettre plus? Le prade là. Ouais, noir les prades. Ça, ça, c'est un vermouth de Palapéro, ça. Hein? Ça, c'est un vermouth qu'on peut mettre dans toutes les viandes sauvages. Hein? On peut mettre dans le cerf, par exemple, on peut mettre dans le canard, dans le joie. Effectivement, ouais. On peut mettre dans le lièvre, dans le faisan, tout ça là. Ouais, ouais, c'est, ça va toujours. Ouais. Et mais le meilleur, c'est cette, entre nous, le meilleur, c'est cette là, le petit drapeau français dessus là. Hein. Mais, ouais, le petit drapeau français dessus là. Ouais, pour dire moi la France, Jean-Claude. Ouais. Moi-même, mais pas français. Ah, pas français? Non, mais les petits papiers, mais les français, mais pas français. Moi d'origine, je ne suis pas la France. Ah bon? Ah oui, normal. Ben oui, parce que, par contre, on aime bien notre race créole. Ouais. Ici, on connaît, ici, on a toutes les races. Ouais. On a Yab. On a Malba, la chinois, la Caf, on a chinois, on a malgache. Ça, c'était les races les venues ici de départ. Mm-hmm. Donc, race mélangée. C'est pas ça les beaucoup métissés aujourd'hui, la Réunion. Ouais. Et ils appellent réunis. Réunis, réunion. Voilà. Il est pas mal. Après qu'elle dit créole, créole, tu formes un nom, il enveloppe tout le monde dedans. Parce qu'au départ, même, il avait Mozambique, où la Chine avait deux, trois chinois les venues. Ouais. Après, on avait l'Inde sur la côte. Ouais. Après 1848, avec voilà, les engagés. On avait quelques malgaches, les venus. Mais tout ça, la forme, ce pays-là. Mais aujourd'hui, bon, avec le métissage, avec la pidra, c'est bien de merde. Ouais. Il a fait un mélange, il appelle la Créole. Ouais, ouais. Mais sinon, nous, d'origine, nous sommes pas la France. Ouais. Aucun moment, on était gouverné. Enfin, on est un peu français, la France, on appelle les autres bonnes oreilles, nous. Mais, oui, mais on était gouverné toujours par la France. Ouais, ouais. Il avait toujours, par exemple, le premier monde ici, il n'avait pas pour effet, il n'avait pas rien. Ah ouais. Il avait un monde appelé un gouverneur, mais il était prêt. Ouais, 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 ouais. Mais annonce un scoop là, qui vient de sortir, c'est le gouvernement indien qui a mis une annonce officielle, le premier ministre indien qui a mis une annonce officielle, parce que, vous connaissez le mot Inde, les Indes, qui était défini par les Anglais. Vous ne pouvez plus avoir affaire avec les Anglais. Donc, du coup, là, on a une proposition de loi qui doit être faite dans les prochains mois qui arrivent pour que l'Inde n'appelle plus l'Inde. L'Inde, ça reprend son nom d'origine. Un nom indien que Malapu rappelait, Julie peut-être va connaître tout à l'heure qu'elle y arrive, hein. Ouais. Mais moi, je ne me rappelle plus. Hein. Donc, du coup, l'Inde va reprendre son nom d'origine, un petit peu comme Madras, hein, qui est Chennai, avant là. Chennai, par exemple, maintenant, mais avant, c'était Madras. Ouais. Hein, Chennai, c'est parce qu'il est avec le comptoir des Indes et tout ça, la roche en le nom. Comment le parti, tu es encore Madras. Voilà, exactement. Ben ouais. Donc, il y a beaucoup de changements en Inde qui vont arriver, bientôt. Là, ouais. Ben là on a Julie qui vient d'arriver. Là. Salut toi, comment tu vas? On parle de l'Inde. Ah ouais. On disait qu'actuellement, l'Inde a formulé un vœu, son premier ministre, de faire voter une loi pour changer le nom de l'Inde. L'Inde ne va pas plus s'appeler l'Inde. Il va pas. Bharat. Voilà. Donc, tu les connais, hein? Oui. Bah, il est prof d'histoire, papa. Il s'appelle le nom Bharat? Bharat. Bharat. Non, c'est pas Bharat. 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 Voilà, voilà. Et donc, pour éviter cet emprisonnement colonial qui était dû à l'invasion des Anglais. L'influence dans l'anglais, ouais. Voilà, de l'anglais, parce que c'est les Anglais qu'elle a appelé l'Inde. Voilà, l'Inde. Les Indes. Les Indes. Les Indes orientales. Voilà, voilà. Donc, ça va changer bientôt. Voilà, enfin, Inch'Allah, enfin non, il ne faut pas dire Inch'Allah, Inch'Allah sinon Mashallah. Il faut dire... Kabat. Voilà, voilà, on est... Grand nom he. Ah bon? Kabat. Mon voilà. Ami connaît bien. D'accord. Vous l'avez dit? Pas mal. Ben, pas mal. La case, il garde bien que film indien, normal, quelque chose. Mais quel est prof? Ben, pour la partie, on a plusieurs fois voilà. Aussi, hein? Yemera India, Hailoma India, Sajemera India. India, Yemera Dirhe. Ah bon? Des fois, il est pas tellement un petit peu, lui. Pas tout le temps, mais quelques fois. Vous voyez? On connaît bonne charge dans la Claude. Faut charger. Bon, ben, toi, bienvenue. Hein. Merci beaucoup. Mais bon, Milès, ça voulait habiller pour nous revenir parce que nous avons aussi des invités de choix. Tout à fait. Nous avons Maxette Pierre Bacas, première du nom, qui va nous faire le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Députée européenne de la Guadeloupe. La députée européenne de la Guadeloupe. Qui arrive dans tout un instant. Fait. Voilà. Ok. Bon, on se prépare. Toto a déjà commencé à cuisiner. Il va finir dans un instant les guêpes, parce qu'il reste les guêpes à faire là. Voilà. Le coq au vermouth, non à l'iprate.
Hein, elle est déjà au feu. Hein, donc, on attend la suite. Mm-hmm. Mmh. On attend la suite. Ben, on attend la suite, alors. C'est parti. Là, c'est la finition, là. Ouais. Avec le petit oignon vert très fin. Hein? Ben, mes camarades là, comment ça va? Ça va bien. Ouais, vous l'avez vu, ils sont au coq au vermouth. Mais ils vont la mettre 1 litre de vermouth en dedans. Elle a dit comme ça, ils ne mettent pas de l'eau en dedans. Elle dit sinon, on se fait un coq à l'eau. Hein? Donc là, c'est un coq au vermouth. En tout cas, le dé arrive dans le chemin. Le dé arrive dans le chemin. Ouais. Bon, Toto, là, on y va, là, parce que là, c'est là, derrière, tout le monde va franchir le portail. Là, comment il fait? Vous voyez, ça fait un portail. Et là, le gars, tout de suite, un petit peu d'huile dedans, mais Toto, le gap là, on la laisse de l'eau dedans. Hein, on la laisse un petit peu de l'eau dedans. Au moins, comme ça, il ne pète pas. Hein, voilà. Là, on arrose, on bloque un petit peu de l'eau comme ça. Parce que sinon, si vous mettez tout de suite comme ça, on va sécher, lui mettre dans l'huile, il va péter. Hein. On va rajouter dedans là, un peu de piment tout de suite là. Pas mis cru, hein. Mais un petit peu de sel, un petit peu de piment. Hmm. Un bon petit peu de piment, hein. Et des oignons aussi, hein. Et des oignons aussi. On mélange tout comme ça, pour laisser les frites. Ouais. Pour laisser les frites. Des oignons, piment, de sel, c'est tout. Hein? Pas besoin plus que ça. Hmm? Ouais. Et vous voulez dire, moi, c'est toi, on mange pas gâteau. Ouais. Fait cuit, moi, mange pas guêpe. Moi, il fait cuit même pas. Fait cuit même pas. Moi, madame, il aime. Ou madame, il aime. Ouais. La vie, il aime guêpe, moi, même pas guêpe. Il aime pas. Ouais. Parce qu'elle pique à moi trop. Elle pique à moi trop, le guêpe. Ouais. Oh, putain, bon. Ouais. Ça va, il reste que les guêpes à faire à l'arrêt. Ouais, après, sinon, ouais. On est presque fini. Hein? Graton. Ah, le graton, un rougail graton. Parce que là, on laisse tremper le graton, là. Et après, on a un petit rougail graton après, hein. Voilà. Allez, bon, alors. Hein, il manquera pas, nous, de quoi manger ce midi, hein. Ah, oui. Rougail graton, coco vermouth, guêpe frite. Il faut des trois tomates pour le rougail graton. Ah, okay. Ben. Heureusement, on est bon commis, ouais. Vous êtes démarche avec tout le temps, ça. Voilà, tu vas se faire mourir. C'est bon. Mais ce soir, allez, après la mourir. Ah bon, d'accord. Mais là, t'as une bataille pour garder qui c'est Soussout qui s'est la mourir. Ouais, depuis là-bas, on a baptisé Aïe Soussout. Ah bon, Zot là, là, Soussout est la mourir. Zot, t'as une bataille, Zot, dès tout le temps. Ah, Zot, hein? Bio, ah, les bons, les bons. Il pète aussi, Zine. C'est rouge. C'est rouge, il pète un peu. Allez, ça que. Et là, on fait une petite sauce tomate à côté pour ajouter ensuite dans le guêpe. Non. Hein? Non, ah non, ah ça c'est pour le graton. D'accord. Le guêpe il est bon et alors? Ah voilà, le guêpe est bon. Hein? Voilà. D'accord. Oui, oui, c'est ça, c'est bon. Vous dites comme ça. Tonton, le rougail graton est bon là? On a fait une petite sauce tomate et puis on va mettre le graton dedans. Et le graton, on va mettre à l'y tremper un petit peu avant, hein? Un petit peu avant. Oui. Ben, elle est bonne, là. Là, il manque où, là? Ou de piment, autant de feu de piment pour les bons, hein? Ben oui, parce que des invités, nous, il y en a, hein? On trouve un petit peu la couleur, là. On trouve un petit peu la couleur. Ça va? Ouais. Et bon? Il peut être un petit bouteille, là, c'est. Ça, c'est du graton, c'est la peau de porc, hein? Pas un petit bouteille que c'est. C'est bon, ça? C'est bon, ça. Peut-être un petit bouteille que c'est, tu vois. C'est bon? Ouais. On va prendre du guêpe alors, des guêpes alors. C'est ça que j'aime. Tu aimes des gratons? Bah, alors ici on dit gratter ton. Non, je dis pas. Toto, on dit comment? Graton même. Ah bon, non, mais tout à l'heure, en caméra, je vais t'expliquer comment on dit ici. Je pense que chez nous en Guadeloupe, on dit la couenne du cochon. Ouais, c'est ça. La couenne du cochon. Voilà, c'est ça. La peau du cochon. On dit couenne chez nous. Ouais. Si on dit gratto. Et gratto. Eh bien, écoute, je vais goûter ton repas, cousin. Et si c'est pas bon, attention, gare à toi. Ok, bon appétit. Merci. On a l'impression que gratto, on l'a fait sur heure aujourd'hui. Ah, mais bon, avec toutes ces équipes-là. Hein. On connaît les longtemps, tout le monde fait tellement. Mais dis pas misère. Ouais.
Mais tu fais toutes tes affaires. Le grand tombe, il était obligé de faire un petit peu comment. En menu. Ouais. Il passe bien avec un peu de riz. Voilà, un grand tombe avec un petit sauce tomate. Nous, il y a là. Papa dit nous qu'on est fait. Ouais, nous l'a copié même. A copié même. A copié. Ah, bon. Bon, ben nous va continuer à copier alors de tomber. Merci bien. Hein? À bientôt, la semaine prochaine encore, nous retrouvons. Hein? Ah ouais. Nous retrouvons encore, la semaine prochaine, ça pas loin, nous reste la même. Hein?